Ouais, je fais essentiellement que du travail le matin, à part les matins où on a plus de promenades, où il m'arrive d'en sortir à la pointe, mais autrement, ouais, je passe presque l'essentiel de mon temps à travailler les chevaux. Mais mardi et vendredi, c'est vraiment, des jours où on travaille essentiellement les chevaux, à part quelques-uns à la promenade. Mais les chevaux sortent beaucoup le lundi à la promenade, il y a beaucoup de chevaux qui sortent le lundi. Les poulains travaillent le lundi. Et voilà, le mardi, on se consacre à travailler les vieux chevaux. Vous pouvez le voir, je prends systématiquement la fréquence cardiaque de mes chevaux. Ça permet d'avoir un vrai sentiment sur le degré de préparation, vu que c'est des chevaux qui ont été au repos et qui reprennent le travail. Au moins, et je les connais à quasiment tous par cœur, au moins le jour où c'est un peu plus élevé que d'habitude, ça peut déterminer qu'il y a un petit souci respiratoire ou autre. Donc, Là, on peut prendre celle-ci. Celle-ci, elle avait 80, ce qui est très bien. C'est une bonne pouliche, c'est une A, qui n'est pas qualifiée. A Boza. Et parce qu'elle a eu un pépin de santé fin d'été dernier, avant d'aller aux qualifications, qui n'était pas méchant. Donc, dans le coup, elle s'est reposée tout l'hiver. Et puis là, je la reprends, mais c'est sûrement. C'est sûrement ce que j'ai pas de mieux parce qu'ils sont plusieurs, mais c'est une des meilleures pouliches de l'écurie. On enchaîne tout le temps des lots de deux. Souvent, les chevaux qui tirent un peu, je les mets tout le temps derrière pour pas qu'ils s'épuisent sur le mort. Et puis lui, c'est Top La Pacha, un cheval qui avait gagné PMU l'année dernière. Il fait toutes ses courses, mais faut lui masquer l'effort, alors comme ça il a l'impression de pas travailler. Je crois qu'on en a 11 ou 12, et je crois que c'est 12, et il y en a 10 de qualifiés. Là, ils sont quasiment tous qualifiés. Je vous dis, il y en a les deux qui ne sont pas qualifiés, c'est deux qui ont connu des problèmes de santé. Donc après, dans l'hiver, c'est compliqué d'aller aux qualifications parce qu'on est victime du temps, les pistes ne sont pas très bonnes, ils gèlent. Donc c'est difficile d'entraîner des poulains l'hiver. En même temps, ça permet de leur mettre un break et qu'ils prennent de la force. Et au niveau des baies, vous en avez reçu combien ? En tout, il y en aura 25 que je vais prendre par groupe. Mais à l'heure actuelle, je crois qu'il y en a 14 ici. Et puis ça va tourner, ils vont partir au repos et il va y avoir des vagues différentes de poulains successives. Et c'est. Enfin, plus ça va et plus vous augmentez à chaque lettre Non, c'est à peu près ça depuis 3-4 ans. Non, j'essaye d'en passer un maximum. Parce que j'estime que c'est dans les jeunes qu'on peut trouver la relève. Après, quand vous récupérez des chevaux qui ont déjà été essayés, ce qui était le cas au début que je me suis installé, on est tous professionnels, on travaille tous très bien, donc c'est difficile, à moins d'un miracle, mais autrement c'est difficile d'avoir des chevaux qui ont été entraînés. Les gars se trompent pas beaucoup hein, maintenant, donc voilà, dans les jeunes ils sont tout neufs. C'est des véhicules neufs, il n'y a plus qu'à aller travailler. J'ai pas connu encore de coup de mou, quoi. J'ai pu. Après, j'ai eu la facilité d'avoir une bonne jument au bout d'un an d'installation, hein, qui s'appelait Paloma Vici. Donc elle m'a emmené de l'argent parce qu'on a une entreprise, donc une entreprise tourne pas sans argent. Donc déjà, elle m'a emmené de l'argent, ce qui a permis d'économiser les chevaux, de commencer le roulement très tôt entre les chevaux d'hiver, les chevaux d'été. Après, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Après, ça m'a surtout emmené aussi de la confiance, parce que quand on s'installe,
on est dans le flou, on a envie d'y aller, c'est bien, mais on est dans le flou, on ne sait pas vraiment où on va, même si l'envie était là. Après, j'ai toujours tout de suite eu des bons chevaux, des chevaux que j'ai pu déclasser et tout, donc ça s'est toujours très très bien passé, je n'ai pas à me plaindre. Je l'ai eu à 2 ans la première fois. Il était chez son éleveur propriétaire. Et puis là-bas, il y a un gars qui s'appelle Johan qui débourre les chevaux et qui les prend en traîne. Donc il était bien avancé quand il arrivait là. Mais malheureusement, au bout de 15 jours ici, à 2 ans, et il avait une fracture de la première phalange derrière. Donc dans le coup, il avait passé 2 ou 3 mois au box. Mais déjà, il avait montré des grosses capacités, et puis après, début de 3 ans, je crois que c'était fin mars de ces 3 ans, je l'avais qualifié 18, mais je crois que c'était le dernier kilomètre, il avait fait 13. Déjà, il était déjà très bon, mais il était compliqué. C'était confondé de vitesse et précipitation. Oui. Maintenant, il se fait bien, il s'est bien fait à courir. Les monter au fur et à mesure de ses courses en condition, mais surtout en maniabilité, en assurance. Il a beaucoup gagné en maturité au niveau de son mental dans l'hiver, en fait, à courir et tout. Il a beaucoup changé, il est devenu beaucoup plus calme. Donc voilà, c'est tentant. Le fait qu'il reste sur 5 victoires, est-ce que ça rajoute une petite pression ou pas? Non, pas du tout, parce que c'était 5 petites victoires et là voilà, c'est un autre morceau maintenant. Maintenant, non, on n'a pas de pression et il a fait un hiver, il a gagné plus de courses que l'on l'aurait pensé, même si on savait qu'il allait faire un bon hiver. Maintenant, pour gagner 5 courses consécutives, il faut vraiment que ça se passe bien. Donc, il a rempli son contrat. Maintenant, voilà, on se fait plaisir.